À Djamé, 220 logements, c'est d'ici que tout part. Des convois privés à destination d'Oufouédié-Kro, dans le département de Yamsokro, sont sur le départ. Il ne faut en aucun cas manquer ce Pakino édition 2014. Je suis contente parce qu'il y a longtemps, j'ai vu ma famille. Donc, c'est une occasion d'aller voir ma famille, danser, les soigner et fêter la fête. Plus de fêtes pour les moins chanceux, la course s'achève ici pour eux. Ceux qui ont pu arriver à destination ont eu le privilège d'assister ce dimanche de Pâques à la renaissance du Christ, mais aussi à celle de leur village, avec l'intronisation du tout nouveau chef d'Oufouédié-Kro. Aujourd'hui, tous les villages se doivent d'être modernes. Et donc, tous les actes que je dois poser doivent aller dans le sens du développement. Et j'entends compter sur tous les habitants de ce village, mais aussi tous les habitants des villages environnants. Même atmosphère de fête un jour plus tôt à Djamon-Sakassou, toujours dans le département de Yamsoukro. Les ressortissants de ce village ont également choisi les fêtes pascales pour l'installation de Nanon Kakou Kofi Sévéra, 13e chef. L'occasion m'est donnée maintenant que je puisse faire en sorte que mes intentions, mes projets puissent être réalisés. Je sais que je le ferai avec le concours de mes aînés, les notables qui sont remplis de plein de sagesse et de connaissances. La fête de Pâques n'a pas été différente dans les villages baoulés cette année. Danse traditionnelle, fête foraine et réunions de mutuelles étaient au programme comme les années précédentes, mais le grand absent était bien sûr le gibier.